Hey, salut tout le monde, c'est Totei. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que Fraps ne marchait plus. Du coup, j'ai dû installer un nouveau logiciel qui marche beaucoup mieux. Ça s'appelle OBS. Je sais pas si vous connaissez. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation. Enfin, pas vraiment la présentation, mais pour une petite partie en classé avec mon deck guerrier. Mais vous pouvez voir que je suis rang 12, 0 étoiles. Parce que je viens de faire une montée fulgurante. J'étais rang 15, 4 étoiles. Et j'ai fait une série de victoires gigantesques. Enfin, pas gigantesques, mais une grande série de victoires. Avec mon mage, qui marche plutôt pas mal. Surtout contre les agros. Et donc, voilà, on se retrouve contre un paladin. Heureux de vous rencontrer. J'ai enlevé le sous-chef cruel parce que j'en ai pas trop besoin au début et puis au pire j'en ai deux. Mettez cette pomme. Ok, ça m'a l'air d'être un paladin agro. Ouh, ça c'est bien ça. Parce que s'il joue un de ses petits serviteurs, ou encore mieux, un dragon féerique. Du coup, ouais, on va quand même jouer ça parce que il va sûrement pas taper dedans. Puis s'il me la tue, ça lui fera consommer. Le but de ce deck, c'est surtout de faire consommer l'adversaire. Enfin, que l'adversaire consomme ses grosses cartes sur des petites cartes. Comme ça, par exemple. Pas comme ça, pas celle-là, mais. Ok. Donc, l'enchaînement va être bien. Ouais, tu franchement. Donc, le but de ce deck, c'est donc de faire consommer les grosses cartes d'adversaire, par exemple. Enfin, pas les grosses cartes, mais les cartes. Voilà quoi, genre par exemple assassiné pour le voleur, ship pour le mage et tout. Et pareil grenouille pour comment ça s'appelle, grenouille pour le chaman. Donc là je mets un Senjin pour parce qu'il a que une 1-1 sur table et puis la hache était pas très utile pour péter ça. L'acolyte aurait pu mais j'avais pas trop besoin de piocher, là j'ai des bonnes cartes. Bon, on a toujours besoin de piocher, surtout qu'il a 7 cartes, mais là ça va, c'est pas mal. Si je joue plein de créatures, j'ai une baston, voilà. Faut savoir que je suis très chanceux en baston, parce que... Ah, ça c'est dommage. Parce que un coup, il y avait un mec, il avait... J'étais contre un... Voilà, c'est contre lui qu'il faut... Voilà, lui c'est parfait. C'est avec lui qu'il faut... Il va se prendre un... Comment ça s'appelle? Il y a quoi pour le paladin? Je sais pas ce qu'il y a. Il va se prendre, je sais pas, égalité consécration peut-être. Ouais, oh, voilà. Oui, je disais, la baston, je suis très chanceux. Parce que tout à l'heure, il y avait un mage, non, un démoniste handlock, donc avec les géants. Il avait joué deux géants de lave et il avait mis une protectrice au milieu. Ça va. Je préfère qu'il me fasse sur cette arme plutôt que sur Relossant. C'est mon Lycera qui est sorti vainqueur de la baston, du coup, le mec. Il a capitulé, mais bon, c'est des chances qui arrivent. Ok, donc là, je sais pas. Là, je sais jamais en fait si son attaque remonte, mais je pense pas. On va peut-être pas bastonner. Ouais, on va pas bastonner. Je me demande si son attaque remonte. Ouais, elle doit quand même remonter. Donc, on va faire un sous-chef cruel sur lui. Donc, normalement, son attaque va augmenter à lui. Ok, parfait. Comme ça, je peux frapper lui, le tuer et trade ça. Voilà. Et ensuite poser un acolyte de la tour. Ce qui fait que là, s'il joue un courroux rongeur, ça me fera piocher. Parce que oui, courroux rongeur, ça coûte 6 de mana. Comment dire? Ok, égalité. J'ai déjà acheté toutes mes cartes de paladin, mais je les connais plutôt bien. Consécration, ok, parfait, ça me va. Franchement, là, qui claque ça sur un berserker, un sous-chef et un acolyte, ça me va. Parce que, comment? Déjà, je pioche une fois, donc il a été rentable. Ouais, bon, par contre, là, j'ai rien joué, juste gagné de l'armure. donc, ça a été plutôt rentable parce que j'ai des grosses créatures. J'ai Ysera, Ragnaros, Gromash. Voilà. Ouais, il me manque Kern, j'allais justement dire qu'il me manquait Kern.
Ah, dommage. On aurait pu. Ouais. Du coup, dommage que j'ai pas d'exécuté. Je peux armor up, heure de bouclier, sous-chef ou tourbillon. Mais ça vaut sûrement pas le coup. Donc, ah, ça m'embête. Voilà. On va juste faire de l'armure et attendre Xera. Donc, ce deck consiste à contrôler. Bon, là, je l'ai pas du tout fait, mais. Ça revient plutôt à rien parce que. What? C'est quoi? J'ai jamais remarqué son skin. Oui, alors là je pense que je vais faire baston. Vu qu'il a plein de serviettes. Ah non, bah non. Je suis con. Je vais pas faire baston du coup. Vu que. Sinon lui il va forcément résister. Enfin, il va rip-hop quoi. Et en plus, ça peut être la 2-2 taunt. Donc on va mettre Izera. Cette partie me semble très mal engagée. Oh, parfait. Ah, ça c'est bien ça. Parce que là, je pourrais tout lui clean presque. Ouais, je pourrais tout lui clean. Donc c'est parfait. Attends. Donc en attendant qu'il joue. Hop, j'attends qu'il joue. Attendez, je reviens. Ok, une épée de justice. Ça me dérange pas plus que ça. Il va au kill, ça me dérange pas plus que ça. Parce que là, je vais faire le réveil d'Issera, ça va presque tout lui clean. Plus un sous-chef cruel, il restera le mec à 4-5 là. Ouh, je peux lui manipuler. Oh, c'est parfait ça. Non, c'est pas parfait. Je peux lui manipuler son cairn. Ensuite, je peux réveiller Dissera, ça le mettrait à 1. Mais c'est pas tellement grave. Hop. Et on va sous-chef cruel lui. On va. Tac. On va frapper lui avec. Allez, frappe. Avec Issera. Et on va être obligé de faire une rage intérieure. Parce que sinon, on tue Kern. Et puis voilà. Donc voilà, ce tour est plutôt pas mal. On a clean le board. Il nous reste 8 PV. Ouais, c'est pas trop mal. Un courroux vengeur, on est mort, mais bon. Parce qu'un courroux vengeur, il a bien une chance de taper sur le cairn. Ça fait plaisir d'avoir un cairn, hein. J'en ai pas souvent. Franchement, son illustration est what the fuck, hein. Je vois pas où est la tête. Enfin bon. voilà. Donc il joue égalité, d'accord. Pas trop grave. Après, si je cours au moins. Non, Kodo. Ok, ça me tue mon sous-chef. D'accord, je vois pas pourquoi il joue ça. Ça a juste mis mon Isera à 1, mais. Ok, d'accord, très bien. Je sais pas ce qu'il va faire là. Il va taper dans mon cairn? Non. What? Mais qu'est-ce qu'il fout? Ok, bah, je vais pas m'en plaindre. Donc voilà, on va lui heurter avec mon bouclier ça. Ouais, mais c'était peut-être pas. Ouais, bon. On va faire ça. Il va devoir taper avec son machin là. Mais non, parce qu'on va lui rêver. Ah mince, il serait arrêté à un point de vie. Oh, c'est pas grave. Voilà. Ok, bah ça me va. Déjà, on va faire ça, c'est sûr. Gros moche tourbillon, et je crois que c'est la win. Gros moche tourbillon. Allez hop. Et oui, j'ai gagné. Et oui, et voilà. Donc, c'était une petite partie bien sympathique avec beaucoup de retournements de situation. Donc, je vais passer avec une étoile. Donc, sur ça, je vais vous dire à la prochaine, tout le monde, c'est Totei.